On va du côté de Gatineau, où une jeune femme atteinte d'un cancer et dont le cri du cœur est devenu viral sur les médias sociaux a été entendue. Simon-Pierre, elle sera vue par un oncologue demain à l'Hôpital général juif de Montréal. Après des mois à se sentir abandonnée par le système de santé, Michelle Lebrun voit enfin un peu d'espoir au bout du tunnel. Elle a touché beaucoup de gens au Québec avec sa vidéo qui a été vue plus d'un million de fois sur Facebook la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, elle a reçu un appel de l'Hôpital général juif de Montréal qui lui a offert un rendez-vous demain matin avec un oncologue. Tout ça a débuté en juillet dernier lorsqu'elle a reçu un diagnostic de cancer du col de l'utérus. Lorsqu'une bosse lui est apparue sur le ventre, eh bien, elle est allée voir les médecins à Gatineau. On lui a dit que c'était normal en septembre dernier. Et finalement, donc, ce n'est qu'en janvier, donc plusieurs mois après, après qu'une autre bosse lui est apparue sur le corps, que finalement, on a pratiqué une biopsie. À ce moment-là, eh bien, on en est venu à la conclusion que c'était des masses cancéreuses. Donc, ne sachant plus vers qui se tourner parce qu'on ne semblait pas la prendre en charge ici à Gatineau, elle a envoyé cette vidéo donc, qui lui a permis donc, d'avoir des nouvelles de l'hôpital aujourd'hui. Voici sa réaction. Si ça ne guérit pas, au moins on ne pourra pas dire qu'on n'a pas tout essayé puis on va s'avoir battu fièrement. J'ai bien hâte de les rencontrer, là, voir ce qu'ils ont à m'offrir puis ce qu'on va faire avec moi. Et selon ce que Michelle Lebrun a entendu, on pourrait lui offrir demain un traitement expérimental. Elle a donc bien hâte d'entendre ce que les médecins ont à lui proposer. On lui souhaite bonne chance. Merci. Absolument. Au revoir.